mes excuses, mais nous sommes pleins, monsieur. C'est une chorale venant d'Augsbourg qui vient d'arriver et qui fête sa fondation. Il passe plusieurs jours parmi nous. Ah, j'avoue que je n'en peux plus. Ah, une bonne bière. Il y en a d'autres au frais, hein. Allez, on s'amuse maintenant. Les musiciens sont là. Ah, Dieu te bénisse, Paul. Très heureux de vous voir. Une bonne idée d'être venu à Munich, non? Tu devrais arrêter de boire, tu es tout rouge. Ne t'inquiète pas, je tiens le coup. Allez, amenez-vous, il y a des gens qui ont soif par ici. Ça va pas, tu fais une tête? Je suis encore tout ébloui par ta voix charmeuse. Ouais, tu te fous de moi encore une fois. Ah, hein. Tu laisses, papa, s'il te plaît, il est étonnant. Mm. Parfait, je te dis, je t'ai trouvé une voix très très sexy. Oh, oh. Et comment m'as-tu reconnu? Elle a bien raison de le dire, très sexy. Ah, mais parmi un cœur, on ne distingue personne. Et j'espère que ça va chauffer maintenant. Excusez-moi une seconde. Auguste, il y a un gars de la presse, c'est un reporter. Ah oui, la presse. Tu sais que t'es un sacré gaillard, hein, Auguste. T'as une vitalité du tonnerre, mon gaillard. Dis-moi, j'entends des voix, oui, alors je suis sous. On dirait qu'on chante encore. Ça semble venir de dehors. Tiens, je vais sortir un moment. Mais tâche de pas attraper froid, hein. C'est vous qui chantez? Que tu es belle. Oh, Bark. Oh, t'es formidable, tu sais. La porte est restée ouverte, je suis désolée. Et elle était ouverte et je peux aller la fermer. Voilà, ça y est, tu vois. Maintenant, la porte est fermée. Monsieur Bark, voulez-vous la rouvrir? Mais pourquoi tu voulais qu'elle soit fermée? Elle est, t'es contente. Alors, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Un petit baiser et je disparais. Allons, Bark. Allez, sois donc très gentil, je l'ai bien mérité. Très bien, faites vite, alors sur la joue et sortez. Ben voyons, voyons, la joue, j'embrasse les filles autrement, hein, je suis plus un petit garçon. Laissez-moi, monsieur, bas. Mais arrête donc de te défendre, ça n'a pas de sens. Vous allez me lâcher tout de suite. Mais je ne veux qu'un petit baiser.
pas bien méchant. Juste un petit baiser. Si vous ne me lâchez pas, je vais te crier. Oh, mais arrête de chicoter. J'arriverai à voir ce que je veux. Irène, c'est moi, ouvre la porte. Vite, allez, ouvre-moi. Irène, qu'est-ce que t'as? Pas un mot. Tu sais que je t'entends. Irène! Mais réponds-moi! Irène, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Irène! Non, je n'attendrai pas une... Tous dehors à chanter à tue-tête. Ils vont tous prendre la crève à chanter dans le froid s'ils continuent. Et demain, il n'y aura pas de concert. Écoutez, téléphonez à la police. Pardon? Père. Irène est morte. Attention, ça glisse. Ouais. On a une chorale sur les bras. Il va neiger en plus. Oui. Chorale, t'as dit? Quel âge avait-elle? Alors ça, je l'ignore. Monsieur Bark? Monsieur Bark? Inspecteur? Quel âge avait-elle? Je n'en sais rien. C'était une camarade de ma fille. Je sais que ma fille vient d'avoir 22 ans et je suppose qu'Irène était un peu plus âgée qu'elle. J'ai vu la porte ouverte, alors j'ai pu jeter un petit coup d'œil, bien sûr. À cet instant, j'ai vu alors que... Vu quoi à cet instant? Quelque chose s'était passé. Voilà. Alors vous me dites ce qui s'était passé. Mais j'ai aperçu un homme agenouillé par terre. Il était penché sur quelqu'un qui gisait sur le sol. Je me suis demandé qui c'était. Et ce qu'il faisait là? Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il faisait là, hein? Ben, je ne me suis rendu compte de rien sur le coup, parce qu'il nous tournait le dos. Nous étions interloqués, on ne savait pas ce qu'il y avait, et on ne comprenait pas encore très bien ce qui se passait. Et sur le moment, nous avons pensé, que fait-il auprès de cette fille? Il s'est retourné, et nous avons vu que c'était Helmut, le fils de Bark. Il se releva, devint blême de peur, nous regarda avec une grande anxiété, surexcité, et s'est approché de nous comme une sorte de somnambule. Il ne pouvait plus faire un geste. Ensuite, il a dit, elle est morte. Elle ne se relève pas. Elle est morte. Et il a ajouté qu'elle était toute nue. Vous l'avez vu, hein?
Alors, nous sommes entrés, j'ai compris tout de suite qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai quelques notions de secourisme, j'ai bien vu qu'on n'y pouvait rien. Je lui ai dit... Helmut, elle est morte. On ne peut rien pour cette malheureuse. Oui. Ensuite, il est parti. Comment cela? Eh bien, enfui, enfui très très vite. Qu'est-ce que ça veut dire, enfui? Oui, monsieur, c'est enfui. C'est faux, c'est idiot, il ne cherchait pas à s'enfuir, il me cherchait, c'est tout, il m'a retrouvé tout de suite. J'étais avec le portier. Et c'est là qu'il a dit, papa, Irène est morte. Je crois que personne ne doit dire qu'il voulait s'enfuir. Ah, mais Auguste, c'est mon opinion personnelle et pas autre chose. Où est votre fils, monsieur Bark? Dans ma chambre. Je crois qu'il est dans ma chambre. Oui, il est sans mouvement sur le lit, il fait une belle déprime. Ça n'a rien de surprenant. Faut pas s'étonner quand vous pénétrez chez quelqu'un et que... vous voyez ça. Et cette chambre se trouve? Là, je vous y conduis, inspecteur. Merci. Les policiers, Helmut. Helmut, remue-toi un peu, ils veulent te questionner. As-tu entendu? Tu as compris? Tu dois sortir de ce lit. Allez, relève-toi. Et réponds ce que demandent ces messieurs. J'ai déjà répondu. Eh ben, tu vas recommencer, mon grand. Il est venu la voir, il a tapé à la porte. Il a dit, Irène, pourquoi tu n'ouvres pas? C'était fermé à clé, n'est-ce pas? Oui, fermé à clé. Mais le plus surprenant, c'est qu'il est resté sans répondre. Il y avait du bruit, j'ai bien entendu, mais elle n'a pas répondu. Qu'est-ce que vous en dites? Je suppose que la pauvre fille était peut-être déjà morte. Oui, mais... il est possible aussi que son meurtrier était encore dans la chambre. C'est vrai, c'est possible. C'était fermé à clé, ça s'est ouvert très vite. J'ai bien entendu des pas, je me suis précipité, mais c'était trop tard. Pourquoi mademoiselle Epler se trouvait-elle chez elle? Je me souviens qu'elle m'a dit... je suis trempé, je ne peux pas rester ainsi, je vais me changer. Oui, mais pourquoi y êtes-vous allé? Je suis monté chez elle car elle voulait me parler. Aviez-vous des rapports, disons, particuliers avec elle? Qu'est-ce que ça veut dire, particulier? Elle et sa famille sont de bons amis, c'était une amie de ma fille, elle venait la voir pour étudier presque chaque jour. Était-elle pour vous plus que ça? Oui, c'est vrai. Quoi? Je veux dire, vous étiez intime, je pense. Oui. Je voudrais comprendre le rôle que ça peut jouer. Et il est monté la voir pour discuter et il n'a eu aucune réponse parce que quelqu'un était chez elle, c'est simple. Les relations qu'il avait avec Irène n'ont rien à voir dans l'histoire. Les dents, vous avez l'air troublé, vous. Est-ce que ça vous étonne? Je crois que nous sommes tous troublés. Regardez-moi donc. J'en tremble encore. Tu arrives à point, Auguste. C'est Epler, il est à l'appareil. Epler? Mais que veut-il? Il faut qui l'a appelé au téléphone? Auguste. A dit de lui, moi j'ai trop la trouille. Non. Monsieur l'inspecteur, pouvez-vous lui annoncer? Ça fait partie du travail de la police, non? Oui, d'accord, mais c'est vous l'ami de la famille. Bon, alors c'est à vous d'y aller. Auguste, il ne comprendrait pas que ce ne soit pas toi qui lui réponde, voyons. Monsieur, allez donc à la cabine. Allez, vas-y, Auguste, dépêche-toi. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Werner, ici Auguste. J'ai une mauvaise nouvelle. Irène est morte. Il y a à peine une heure. Où l'emmène-t-on? Vous pourriez ne pas l'emmener. Vous allez descendre dans la salle. Non, pas vous rester là. Regardez dans quel état il est, il ne peut pas tenir debout. Oui, je sais. Est-ce que c'est le seul accès? Oui, par l'escalier qui se trouve là. Il n'y a pas d'autre issue, pas d'auvent et aucun balcon. Tout est fermé de ce côté. Je pense que le meurtrier est sûrement arrivé d'en bas. Oui, il est allé dans la chambre par le vestibule. Oui, peut-être un des garçons. Non, sans doute pas un des serveurs, parce que personne n'en a vu un en haut. Tous les serveurs étaient en bas, il n'y avait que des clients sur le palier. Donc l'assassin ne peut être qu'un des invités de leur fiesta. Irène Epler vous a dit, je suis trempé, je monte me changer. Oui. Vous êtes allé chez elle environ combien de temps après?
5 minutes, peut-être. Vous n'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes allé chez elle. Parce que c'est tout naturel. Nous étions presque fiancés. Vous avez grimpé l'escalier. Est-ce que par hasard vous avez vu quelqu'un monter en même temps? Non, non, personne. Et le vestibule qui est là était désert? Oui, il était désert. Vous n'avez rien vu ni entendu? Rien du tout. Alors je désirerais que vous me remontriez la scène. Vous allez recommencer. Que dois-je recommencer? Voilà la porte, allez-y. Vous allez refaire tous vos gestes. Eh bien, je vous l'ai dit, j'ai frappé à la porte. Alors refaites-le donc. Et puis j'ai dit, c'est moi, Irène, tu es là? Tu es prête, Irène? Irène, réponds-moi puisque tu es là. Qu'y a-t-il? Je t'entends, tu sais. Tu es avec quelqu'un? Irène! Irène, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres? C'est la chambre de ma sœur et je pensais que la porte communicante était ouverte, mais elle ne l'était pas. Et brusquement, j'ai cru entendre des pas à l'extérieur. Je suis sorti pour regarder qui c'était. Il a l'art de faire durer le suspense. Eh bien, qu'est-ce qu'ils te veulent encore, mon petit? La porte était ouverte. C'est ce que j'ai remarqué tout de suite. Savez-vous comment elle était ouverte? Oui. À peu près comme ça. Je l'ai aperçu, allongé par terre. Bien. Et celui dont vous aviez entendu les pas était déjà parti. Par conséquent, vous ne l'avez pas vu. Non, juste une ombre. Dans l'escalier, je l'ai aperçu. Et les pas, ça, vous en êtes sûr? Mais s'il vous le dit, c'est qu'il est sûr d'avoir entendu quelque chose. Bon, alors ne l'embêtez plus. Qu'est-ce que vous avez à l'ennuyer? Vous n'avez aucune raison de douter de ce qu'il a dit. Il dit qu'il a entendu quelque chose. C'était sans doute le meurtrier, hein? Le meurtrier était dans la chambre, il a entendu taper à l'autre porte, alors il n'a eu qu'une idée en tête, c'est de foutre le camp, de se débiner aussi vite que possible. Qu'est-ce qui vous prend? Vous devez croire, mon fils. Il dit la vérité. Ces gens ont une nouvelle fois bavardé avec mon garçon, afin d'éclaircir cette situation. Parce que il a failli voir l'assassin. Il a entendu des pas. Il a entendu des pas dans le vestibule et dans l'escalier. C'est ce qu'il a déclaré. Ils n'ont aucune raison de douter de ce qu'il vient de dire. Je crois que personne n'y songe. Alors je me demande quelle raison vous avez, vous, de le regarder de cette façon. Voyons, Auguste, voyons. Je sais ce que je dis, Keller. Vous croyez que c'est un assassin? Ah, c'est idiot, Auguste. Allez, retourne dans la salle. Les policiers voudraient nous voir réunis tous ensemble. Et toi aussi. N'espère pas qu'ils vont pouvoir l'arrêter. Jamais je n'ai dit ça. Il dit qu'il a entendu des pas dans l'escalier. Mais nous n'étions pas tellement loin non plus. Ne le regardez pas comme ça, il est coupable de rien. Voyons, Auguste, tu sais bien que nous te croyons, mais on en a tous pris un grand coup. On est tous complètement dans le cirage, viens. Assieds-toi là. Redresse-toi donc, ne reste pas assis comme ça. Bon, qu'est-ce que tu penses du petit Harry? Il n'a aucun motif pour le tuer. Et puis il y a cette porte ouverte. Des motifs, il y en aurait en pagaille, on ignore lesquels. Il y a cette porte ouverte. Mais on ne tue pas en laissant la porte ouverte. Est-ce qu'il était sous? Il dit qu'il a bu 3 verres de vin. Tu crois qu'il avait encore les yeux bien en face des trous? Il n'avait pas l'air sous. Vous avez bu tous. Je crois que c'est le choc qui les a remis d'aplomb. Mais ils en avaient tous un coup. Que vont-ils donc nous raconter? C'est ce qu'on va voir. Nous avons toutes les raisons de penser que le meurtrier est dans cette salle. Nous allons donc essayer de procéder à une reconstitution. Nous vous demanderons de faire un effort de mémoire qui facilitera notre tâche. Il nous faut votre consentement à tous, naturellement.
Vous pouvez compter sur nous. Que voulez-vous dire par reconstitution? Chronologiquement, nous avons remarqué plusieurs points qu'il nous faut préciser. Irène Epler a donc dansé. Oui. Où se trouvait-elle en dansant? Là. Je crois que chacun d'entre vous se souvient de l'endroit où il se trouvait. Veuillez reprendre vos places exactes. Acceptez-vous de nous aider, Monsieur Barque? Mais très volontiers. Nous allons essayer de retrouver nos places. Il s'agit de l'endroit où chacun se trouvait quand nous dansions. Alors reprenez vos places, que ceux qui étaient assis restent assis. Vous essaierez aussi de vous souvenir de la personne qui se trouvait assise à vos côtés. Et tu penses que ça nous avance à quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Qui ne risque rien à rien. Mais c'est pas encore gagné. Ou peut-être que non, mais le meurtrier va être obligé de bouger et d'agir. Harry... Mais qu'est-ce que vous faites tous de ce côté-là? Vous savez que vous n'étiez pas ici. Ce groupe était en train de chanter dans le jardin. Oui, il n'était pas là. Bon, allez vous mettre un peu à l'écart. Vous étiez bien à cet endroit? Oui. Et vous, vous étiez où? Et il dansait avec les autres, il faisait un drôle de numéro. Je désirerais avoir de la musique. J'ai renvoyé les musiciens. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Je me souviens d'un air sud-américain, c'était très amusant. Irène dansait comme une espagnole, un peu comme ça. Avec une allure, elle dansait remarquablement. Nous, on tapait dans les mains. Et Auguste, enfin, Monsieur Marc, jouait le jeu. Il s'est mis au milieu de nous pour s'amuser. Il ne dansait pas réellement, il se tenait derrière Irène et il faisait un petit numéro. Oui. Tout ça... C'était que de la plaisanterie. On voulait rigoler, on faisait n'importe quoi pour l'ambiance. Je crois que tout le monde était prêt à y aller de bon cœur. Alors j'ai pris le châle qu'Irène avait sur elle. Et puis, est-ce que je pourrais avoir une serviette? Ah, merci. Et ensuite, pour rigoler un peu, j'ai pris le châle d'Irène. J'ai pris ainsi comme une sorte de muleta. Et puis j'ai dit, olé, trop, approche, trop, olé. À cet instant, Auguste, Monsieur Barc, s'est jeté sur moi, les bras en avant, comme un taureau. On s'amusait. C'était drôle, on rigolait, quoi. Et Irène s'est arrêtée de danser pendant quelques minutes. Enfin, vous voyez le tableau. On applaudissait. Mademoiselle Epler est ensuite retournée à sa table. Oui. Où était-elle? De ce côté-là, par là. Regarde un peu comment elle gosse. Vous étiez assise à cette table? Oui, ici. Irène Epler est revenue s'asseoir avec vous? Oui, c'est exactement cela. Ensuite, elle dit... Je suis trempée, je monte me changer. Rien d'autre? Non. Elle est partie tout de suite? Oui. Quelqu'un l'a accompagnée? Non. Est-ce que quelqu'un l'a suivie? Non. Ah, mais si, toi tu as suivi Irène. Oui, c'est exact. J'ai déjà dit que j'étais allé la rejoindre. Le tout est de savoir si notre personne y est allée aussi. J'ai vu personne, en tout cas. Tu aurais dû me voir, car sache que moi aussi, je suis sorti. Et Auguste aussi. Nous étions tous en nage. Oui. Nous avions beaucoup dansé, nous étions moites de partout. Nous sommes allés nous passer de l'eau sur la figure au lavabo. Nous n'avons vu personne, mais nous avons entendu du bruit. Des gars qui étaient dehors et qui braillaient. Nous sommes sortis tous les deux et j'ai dit, bon, ça, écoute-moi ça, Auguste. Enfin, Monsieur Barque. J'ai dit, ils s'en foutent de chanter dans le froid, ces gars. Est-ce que les musiciens ont eux aussi tous fait une pause? Ah oui, tous les musiciens ont aussi fait une pause, mais ils n'ont pas changé de place. J'ai vérifié, c'est exact. Ouais. Vous êtes allé chanter dehors? Oui, tout près. Allez dans l'autre pièce, s'il vous plaît. Bon, maintenant, nous allons trier parmi vous tous ceux qui n'ont aucun rapport avec ce qui s'est passé. Ceux qui peuvent dire où ils se trouvaient à l'heure du crime avec exactitude. Et qui ont des témoins. Vous vous trouviez au lavabo, disiez-vous? Oui, Auguste et moi. Enfin, c'est-à-dire, Monsieur Barque et moi. Ouais. On ne pouvait plus respirer. C'est entendu. Très bien, allez là-bas. Oui, tu viens, Auguste? Vous aussi, messieurs. Avec vos femmes. Tous ceux d'entre vous qui ont un témoin attestant qu'ils n'ont pas quitté la salle... iront se mettre là-bas également. Tu peux me dire à quoi on joue? Je ne vois pas tellement d'autres solutions. Viens, allons-y aussi. Qu'est-ce que tout ça signifie, tout ce cirque? À quoi ça rime? Mais c'est pourtant clair. On témoigne les uns pour les autres. Seulement dans le lot, il en restera un qui n'aura pas de témoin. Est-ce que tu l'as vu ou non? Oui. Ainsi. Voilà comment je l'ai vu. Mais tu es malade de nous montrer ça. Tout le monde sait qu'on ne l'a pas étranglé. Alors il est impossible que tu aies vu ça. Papa! T'es fou, tu es sonné. J'espère bien que vous voyez que cette démonstration est ridicule. C'est quoi cette reconstitution? Où est-ce que ça vous conduit? Nous avons tous plein de témoins. Le meurtrier aussi a son témoin. Mais... supposez-vous
que je suis responsable de ce crime. Bah, ils sont fous, ils savent plus ce qu'ils font, ils savent plus ce qu'ils racontent. Te fais surtout pas de soucis, mon petit. Tout ça, c'est dirigé contre lui, Auguste. Mais t'as vu l'autre avec ses mains? Mais tu voudrais me dire ce qu'il démontrait, ce n'est que de la pure folie. Allez, va t'asseoir, mon petit. T'as pas à t'en faire, on ne t'embêtera plus. C'est peut-être bien jeune, non? Tu oublies tout ce que tu m'as dit, le motif, la porte ouverte, hein? Il va falloir les secouer les uns après les autres, ce sera la seule façon de s'y reconnaître. La seule? Ouais. Voulez-vous tous reprendre une fois encore les places? Je voudrais parler à chacun d'entre vous. Voudriez-vous m'aider, monsieur Bark? Oui, très volontiers, naturellement. Alors, duquel d'entre nous peut-il s'agir, Bark? Si tu le sais, dis-le moi. Bah, vous allez le savoir dans un instant. Ça va durer encore longtemps, ces singeries. Il est 2 heures. Ça n'a pas d'importance. Venez, je vous prie. Oui. Je vous prierai maintenant de considérer la situation comme elle était. On avait bu. Trop, sans doute, c'est vrai. On avait dansé. On s'est amusé, on s'est laissé aller. Et on avait aussi, je ne sais comment vous dire, on avait tous perdu la notion du temps, inspecteur. Ensuite, Irène a dansé. C'était une jolie fille. Elle s'est donnée en spectacle. C'était assez excitant. C'était fascinant. Il est certain que ça faisait un effet impressionnant sur des gens qui avaient bu. Mais ça n'est pas une raison pour les traiter en criminels. Tout le monde ici est suspect, je sais. L'assassin peut être n'importe lequel d'entre nous. Mais est-ce que tu deviendrais fou? Non, je dis seulement que tout le monde est suspect. Pas que mon fils, parce qu'il a trouvé Irène. Je suis désolé, excusez-moi. Oh, c'est rien. C'est là qu'on se trouvait, je crois. Oui, et tous. Oui. On s'était mis tous à cet endroit. Voilà ce qui est important. Que chacun puisse dire l'endroit où il se tenait. Et qu'aucun de nous ne s'est absenté durant ce temps, n'est-ce pas? Donc vous étiez tous réunis ici. Pourquoi avez-vous chanté? Pourquoi? C'est la seule chose qui compte dans l'existence. Vous saviez que la chambre du crime est juste au-dessus? Mais non, pas du tout, on l'ignorait. Vous n'avez rien entendu? Mais on ne pouvait pas entendre. Parce que vous chantiez trop fort? Mais on chantait comme des dingues, oui. Et je leur ai dit, bon sang, arrêtez de chanter dehors, vous risquez un coup de froid. Attendez, je pensais que vous étiez au lavabo. Naturellement, c'est là que j'ai entendu, j'ai dit à Auguste, monsieur Bark, qu'est-ce qu'il fabrique dehors? Il fait trop froid pour aller chanter dehors. Alors, vous êtes sorti pour les arrêter? Oui. Monsieur Bark aussi? Ah non, non, lui, il n'a pas bougé des lavabos. Et pleure. Et pleure. Auguste. Auguste. Et pleure, est là. Personne ne peut dire qui est le meurtrier. Non, Werner. Mais vous supposez qu'il se trouve dans la salle. Werner, voici les policiers. Il est bien là. Le meurtrier. Il est assis quelque part. Il se cache dans un coin. Mais qui aurait fait cette chose-là? Lequel aurait osé faire ça? Dites-le. Ce n'est pas vrai qu'il est là. Mais qui l'a supprimé? Est-ce que c'est toi? Ou toi? Ou toi? Qui a tué ma fille? Hein? Qui l'a tué? C'est toi? Non. T'es sûr? Excuse-moi.
Excusez-moi. Je viens de Rustbourg et j'ai roulé comme un dingue. J'ai failli me tuer. Pendant tout ce temps, je me suis demandé... J'ai pas dû bien comprendre. Quelqu'un a téléphoné pour dire qu'Irène était morte. Saute dans ta voiture et amène-toi. Mais pourquoi ne rien me dire, ne rien m'expliquer? Pourquoi a-t-on raccroché? Werner, j'ai pas eu le courage. Eu le courage? Tu m'as dit, laisse Irène venir, veux-tu? Et la gosse voulait... Oui, elle voulait aussi venir avec vous. Oui, j'ai accepté sans hésiter. Vous n'avez pas fait suffisamment attention. Tu sais, le garçon, comme ça, il la tenait par le cou. Vous pouviez mieux la surveiller. Bon, où est-ce qu'elle est allée mourir? Une chambre au premier. Elle a dansé et... Elle est montée pour changer de vêtements. Je désire voir la chambre. Werner, voici le principal d'Eric, de la police criminelle. Il peut tout expliquer. Est-ce que je peux monter? Oui, oui. Tu viens, Auguste, tu m'accompagnes. Werner, je ne pourrais pas, je t'en prie. Un autre peut t'accompagner. Non. Non, je refuse, j'aurais peur, tu vois, que ce soit le meurtrier qui vienne avec moi. Viens. Allons-y. Tu me les surveilles? Je pense que le meurtrier en a reçu un coup dans la gueule. Espérons-le. C'est là qu'on l'a trouvé? Oui, Werner. Voilà ce qui reste de la petite. Un croquis et la craie tracée sur le plancher dans une chambre. Mon Dieu. Tu peux venir, tu sais. Tais-toi. On peut encore boire un coup. Dites, inspecteur, ça va durer encore longtemps. Je voudrais que le personnel aille dormir. Vous savez qu'il est 3h du matin. Arrêtez de vous plaindre une seconde. Je vous en prie, nous devons tous travailler très tôt demain matin. Je sais, moi aussi, et je n'ai pas le temps d'aller dormir. Excusez-moi. Oui, oui, entendu. Selon moi, il n'y en a qu'un seul dont le comportement est bizarre. Bark. Oui. Il est bouleversé. Plutôt choqué. Presque exalté. J'ai remarqué. Seulement, c'est pour son gosse qu'il a la trouille. Est-ce qu'il est monté? Oui, il a une crise de larmes. Il pleure? Ben, c'est son ami. Hein. Apparemment, de très bons amis. Justement, je me souviens de ce qu'il a dit en parlant de lui. Il a dit, nous sommes tous suspects dans l'histoire. Pas mauvaise analyse d'une situation assez débridée en ce qui le concerne. Il s'est pas mal distrait dans cette fiesta. Sa danse? Oui. C'est bien lui qui a fait cette danse. Espagnol avec Irène. Alors attaquons Bark. Je suis désolé, Werner, j'arrive pas à me contrôler ni à me retenir. Je t'en prie, redescends seul dans la salle. Je viendrai quand je pourrai. Il faut que je récupère. Mais je vais pas te laisser comme ça. Auguste. Maintenant, tu sais que j'ai besoin de toi. Oh.
qu'ils étaient fous de chanter dehors par ce froid. Oui, oui. Je voudrais vous demander, êtes-vous retourné tout de suite au lavabo? Ah oui, je pense que oui. Non, on ne t'est pas rentré tout de suite. T'en es sûr? Ah, bien sûr, tu nous as dit la deuxième voix est fausse et tu t'es mis à chanter. C'est ça, moi j'ai chanté. Tu t'es joint à nous et tu t'es mis à chanter. Et qu'est-ce que vous chantiez? On a chanté la Schönerwald. Ah oui. Ouais. Bon. Et combien de temps est-ce que vous avez passé à chanter? Oh, disons 5 minutes. Ensuite, vous êtes rentré retrouver Monsieur Bark. Oui. Il était encore là? Oui, oui, je vous ai dit qu'il n'arrivait plus à respirer. Dites-moi, mais pourquoi vous posez ces questions? Pour savoir, tout simplement. Donc, il a eu 5 minutes de tranquillité. Oui, 5 minutes. Le temps de monter dans la chambre, surprendre la petite en train de se déshabiller, il a dû aller fermer la porte et a tenté sa chance. Ouais. Bourré comme il l'était, il ne devait plus savoir du tout ce qu'il faisait. Dis-moi, c'est ce que lui-même a dit? Tu t'en souviens? On avait perdu la notion du temps, on était fous. Il assurait sa défense avant coup, non? Ouais, il a peut-être dû se défendre et appeler au secours. Mais il l'empêche de crier. Quel mot arrive à cet instant? Et bien sûr, ne savait pas ce qu'il y avait. Mais dis-moi, Stéphane, c'est une horrible situation pour ce garçon. Devant la porte, il a entendu du bruit, mais il ne pouvait rien faire. Et pendant ce temps, Bark l'a supprimé. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aime pas beaucoup ce genre de choses. En route. Ah, c'est toi que j'attendais. Je détesterais entrer seul dans cette salle. Suis-moi, Harry. On peut savoir ce qui se passe? J'aimerais bien que vous nous disiez de quoi vous avez parlé. Lui a-t-on dit ce que j'ai vu de mes yeux? Est-ce qu'on te l'a dit, Epler? Bon alors, dis-moi donc ce que tu as vu de tes yeux. J'ai vu Helmut Bark, c'est tout. J'ai vu Helmut Bark se pencher sur elle. Il la tenait... comme ça. Mais personne ne te l'a dit. Si, si, on m'a mis au courant. Et je comprends comment tu as dû te sentir, mon grand. Vous pouvez tous regagner vos chambres et aller dormir maintenant. Vous aussi, vous allez dormir. Vous semblez avoir perdu votre latin. Bonne nuit. Vous devriez aller dormir aussi. Il faut trouver une chambre pour Werner. Je vais aller voir le portier et lui dire... Ne bouge pas, je n'ai pas envie d'aller dormir. Mais enfin, écoute, Werner, tu dois tomber de fatigue. Mais non, pas du tout. Mais toi, tu tombes de fatigue, alors va dormir et tu emmènes Werner, si tu veux bien. Allez, monsieur Epler. Vous les envoyez se coucher? Vous n'avez plus besoin d'eux? Non. Seulement, vous cherchez pourtant qui a commis ce meurtre, non? Vous n'avez pas renoncé, hein? Pas du tout. Je ne peux pas l'arrêter sans qu'il ait tout avoué. Parce qu'il n'y a aucun témoin. Parce qu'il n'y a aucun témoin. Donc, ça n'a aucun sens de mettre ce meurtre sur le dos d'une personne quelconque? Aucun sens, non. Parce qu'elle n'irait, bien sûr. Peut-être. Peut-être, elle n'irait, peut-être. Pourquoi peut-être? C'est la seule solution. Il pensera à sa famille, sans doute. Et à Epler. Je suis même convaincu qu'il s'acharnera à trouver des témoins plutôt que de nous faire des aveux. Cet homme est toujours profondément certain qu'il existe encore une issue pour lui. Vous comprenez? Il est persuadé que les choses vont rentrer dans les normes. Il faut seulement qu'il garde le silence. Pense-t-il? Et vous pensez que ce retour vers les normes n'existe pas, je suppose? Mmh. Je vais vous expliquer dans quelle situation se trouve ce monsieur.
Il n'a pas voulu tuer la petite Epler. Et tu vois, je pense au fond que ce meurtre ne fut qu'un malheureux concours de circonstances. Il était sous, à côté de la plaque. J'ignore comment il a pu pénétrer dans la chambre, peut-être tout à fait par hasard, sans y songer. Il a pu croire qu'il avait une chance avec elle. Auquel cas, il n'y aurait rien à lui reprocher. Seulement une chose, sa proposition aurait dû être faite honnêtement. Mais lorsque le jeune Helmut Bark a frappé à la porte fermée à clé, l'homme a dû se paniquer et n'a pas eu d'autre solution que d'empêcher la fille de crier. Il fallait qu'il le fasse. Sinon, cet homme se serait trouvé dans une position ridicule. C'est la raison pour laquelle il lui a bouché la bouche et le nez. Alors, elle a dû se défendre. Oui, peut-être est-elle même tombée dans les pommes, mais en tombant, elle s'est cognée. Et s'est brisée la nuque. Elle était morte avant même que l'homme ne s'en rende compte. Elle a eu la nuque brisée. Oui. Je crois qu'il ne s'agit en aucun cas d'un meurtre prémédité. Tout ceci n'a été, comment oserais-je dire, pas autre chose qu'un hasard malencontreux. Et voyez-vous, c'est ça le pire. Pourquoi est-ce le pire? Parce que ça permet à l'assassin de prendre cela comme un accident malheureux. Et ça libère sa conscience. Il considère un peu la mort de cette fille comme si elle était victime d'un accident de la route. Il ne se sent pas plus responsable qu'un automobiliste qui a commis une faute bénigne et... Vous êtes persuadé que c'est ce qu'il pense? Oui, j'en suis certain. Il ne se croit pas un meurtrier. Et pourtant, c'en est un. Il s'en rend compte un peu plus chaque seconde, mais il refuse de l'admettre. Bon, je vais aller dormir un peu. Vous devez aussi être très fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit, c'est ce que je vous souhaite. Mais dites-moi, vous pourriez me dire que vous croyez que c'est moi qui suis le meurtrier? Est-ce que vous voulez avouer maintenant? Pourquoi tu le laisses partir? Mais parce qu'il n'osera pas nous le raconter. Tu crois qu'il peut dire à son fils, c'est moi qui ai supprimé la jeune fille que tu aimes, et à son ami Epler qu'il a étranglé sa fille? Tu penses à sa femme et à sa fille, à tous les gens qui sont ici? Il doit se taire, il est trop tard. Parce qu'il est sonné. Harry, il est perdu et complètement foutu. Il fallait pour que M. Epler puisse dormir. Maman, bien. Prend ma chambre. J'irai dormir chez Inke sur le sofa de sa chambre. Ah. C'est dangereux de le laisser seul. Oui, bien sûr, c'est trop dangereux. Allongez-vous sur le canapé. Hein? Toi aussi, va dormir. Bonne nuit. Elle était si jeune, avec un tel amour de vivre. Joyeuse. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Eh bien alors, si tu t'asseyais...
Je sens qu'il craquera. Et il va craquer dans la nuit. Il ne tiendra plus encore bien longtemps. Il ne faut pas le manquer quand le moment va se présenter. Laisse-moi, Harry. Va t'allonger autre part. Il fallait qu'on lui mette la main dessus. Non. Tu sais qu'il y a pas mal de gens à qui on doit ouvrir la porte pour qu'ils puissent s'empaler d'eux-mêmes sans les y forcer. Mais pourquoi tu restes là? Je te garde, Werner. Va donc te coucher. Et tu crois que je pourrais dormir? Elle est sans arrêt devant moi. Quand elle est partie, je lui ai demandé depuis quand elle s'intéressait au chant. Elle a rigolé. Elle a dit depuis qu'elle moutait là. Veux-tu essayer de dormir, Werner? Le jour se lèvera bientôt. Je dormirai quand tu iras aussi. T'as une petite minute, Werner. Attends-moi un instant, je vais revenir. Monsieur Bark. Oui. Je fais un peu au dehors pour respirer. Faites surtout très attention. Le fond de l'air est frais. Oui, je sais. Restez où vous êtes. Si vous faites un mouvement, je saute. Ce n'est pas une solution. Pour moi, c'est la seule. Non. Si vous sautez au-dessus de ce pont,
Ça n'effacera rien, ce ne sera qu'une bêtise de plus. Croyez-moi, monsieur Bark, ce n'est pas la solution. Je ne serai pas arrêté de cette façon. Je n'ai aucun moyen de vous obliger à ne pas sauter et je n'ai pas l'intention de tenter quoi que ce soit. Je crois simplement que vous devez comprendre que vous devez quelque chose à la mémoire d'Irène. C'est une once de courage. Cette mort serait inutile. Je vous attends, monsieur Bark.